Putain. Quoi? La meuf dans la vidéo, elle raconte que deux copines sont allées en soirée ensemble et il y en a une des deux qui a sympathisé avec deux mecs et puis elle s'est dit que c'était pas une si mauvaise idée de rester avec les deux inconnus. Mais qui fait ça, sérieux? Le pire, c'est qu'elle s'est réveillée le lendemain dans une baignoire pleine de glaçons. Tu veux y aller à cette soirée ou pas? Mais j'ai pas le choix. Mais en plus, elle avait le 15 écrit sur le poignet. Genre, quand vous vous réveillez, appelez le 15. Donc là, forcément, elle commence à paniquer, normal. Elle appelle les urgences. Ouais, chaud. Et là, les urgences au téléphone lui disent: oui, regardez si vous n'avez pas des traces de piqûres sur le corps. Bah tiens, comme par hasard, elle a une trace de piqûre à l'intérieur du bras. Oui, on arrive. Et des énormes pansements en bas du dos. Donc conclusion, on lui a pétassé deux reins et toute sa vie, elle doit faire des dialyses 4 fois par semaine. C'est bon, meuf, on l'a compris, c'est des rumeurs. Faut vraiment que t'arrêtes de croire tout ce que tu vois sur Internet. Du coup, on fait quoi?